Madame, Monsieur, chères Ébruissiennes, chers Ébruissiens, le samedi 28 novembre sera un grand jour pour les commerces de proximité d'Évreux enfin autorisés à retravailler. Après cette trop longue période de fermeture administrative, nous devons tous nous mobiliser pour acheter dans les commerces ce que nous connaissons, ce que nous aimons. Nous savons tous à quel point cette fermeture était totalement injustifié. Alors, pour rattraper ce retard, nos commerçants ont déployé des efforts très importants pour nous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Aidons-les, ensemble, vous et moi, à sauver nos commerces et nos emplois. Ces commerçants qui ont été humiliés, on les a traités de non-essentiels, sont en réalité essentiels pour notre territoire, pour sa vitalité, pour sa qualité de vie, pour son attractivité. Dès samedi, dans le respect des gestes sanitaires, je vous invite à retrouver nos habitudes auprès des commerces de proximité. Pour faciliter vos achats, tous les commerces de la ville d'Évreux, je vous le rappelle, sont référencés sur le site internet de la ville, www.evreux.fr, dans la rubrique « J'achète à Évreux ». Je souhaite aussi, dans cette période difficile, apporter tout mon soutien à celles et à ceux qui ne peuvent réouvrir aujourd'hui, aux bars, aux restaurants. Ils sont en danger de mort économique. Nous savons qu'ils ne pourront pas ouvrir avant ou plus tôt le mois de janvier 2021. Dans les jours prochains, je vais réunir les représentants de ces professionnels et ensemble, nous verrons quelles mesures nous pouvons prendre pour les accompagner et tenter de les sauver. À partir de samedi prochain, Madame, Monsieur, 7 jours sur 7, faites vos achats de Noël dans nos commerces, dans notre ville. Parce que vous aimez Évreux, parce qu'Évreux vous protège, protège ses commerçants. Ensemble, soyons solidaires. Une fois de plus, je sais pouvoir compter sur vous.